Sixième question. Oui. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد سئل الشيخ رحمة الله عليه السؤال السادس أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Donc ici, on pose la question, au Cheikh. On lui dit ici, qu'Allah soit bienfaisant envers vous, qu'Allah vous bénisse. Voilà un questionneur qui demande ceci. Il dit, Fadilatu Cheikh, à quel moment le hajr, donc le boycott, devient juste? À quel moment on va dire que un boycott est correct, légiféré? Le boycott des gens de l'innovation. Donc le boycott envers les gens de l'innovation et les gens qui commettent les péchés. Et à quel moment on va dire ici que cela concrétise le but législatif voulu par, n'est-ce pas, cette grande base. Donc le hajr, on peut le faire, n'est-ce pas, même pour celui qui commet des péchés. Le boycott n'est pas limité, n'est-ce pas, aux gens de l'innovation. Donc ça veut dire qu'on peut même boycotter un salafi. Parce que le fait de commettre des péchés comme le vol, le zina, le mensonge, ça ne peut pas sortir de la salafia. Mais ça fait en sorte que la personne devienne, perverse. Donc, on a posé la question au Cheikh par rapport à cela. Et on a vu aussi, on avait déjà vu que le prophète avait demandé de boycotter Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Et ce qu'ils avaient fait, c'était quoi? C'était un péché. C'était un péché. Et ce texte aussi montre la permission de boycotter les gens de l'innovation. Car la bida est pire que le péché. Si on autorise de boycotter à cause du péché, eh bien, boycotter à cause de l'innovation, a fortiori. Car le prophète a dit « Wa sharrul umuri muhdathatuha » Jade. « Fa inna sharrul umuri » Les pires des choses, c'est quoi? Les innovations. Ah. الجواب أولا الهجر هو الأصل ممن قدر عليه ودعا إليه وكان مطاعا يأتمر الناس بأمره وينتهي ممن قدر عليه ودعا إليه وكان مطاعا يأتمر الناس بأمره وينتهون بنهيه هجر يأتمر الناس بأمره وينتهون بنهيه نعم Le Cheikh dit, premièrement, la base, c'est le hajr, c'est le boycott. Pour celui qui a les capacités ou qui appelle à cela et qui est obéi, les gens lui obéissent dans ce qu'il ordonne et il délaisse ce qu'il interdit. Donc, le Cheikh dit, la base, c'est quoi? Le hajj.
Donc, pour celui-là qui commet quoi? Les innovations et tout. Il dit, mais c'est pour celui qui a les capacités ou qui appelle à cela, si c'est quelqu'un qui est obéi. Ok? Donc, les gens font ce qu'il dit. Il a une place, une makana. S'il parle, les gens vont suivre ça. Naam, il dit, هجر أهل البدع وهجر أهل هجر أهل البدع هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي هو الأصل حتى يعود حتى يعود المهجور إلى رشده ويراجع ويراجع الحق. نعم. Donc le cheikh dit boycotter les gens de l'innovation et les gens qui commettent des péchés, c'est ça la base. Jusqu'à ce que celui qui a été boycotté revienne à la droiture, qu'il revoie, bien qu'il revienne sur la vérité. Jay. Donc, ici le cher est en train de parler de quel hajr? C'est le hajr qui est ta'dibi. Jay. Donc, éducatif, pour éduquer, pour que la personne revienne au haqq. Jay. Et cette parole du cher aussi nous montre l'erreur de ceux qui ont limité le hajr aux gens de l'innovation. Qu'on ne peut pas boycotter un salafi. On peut boycotter un salafi. On peut boycotter un salafi si c'est quelqu'un qui commet par exemple des grands péchés et que le boycotter, n'est-ce pas, ça peut faire qu'il revienne, qu'il délaisse cela, on le fait. Ou bien si il est nuisible, il est nuisible pour toi, tu peux le boycotter. Jade, quelqu'un qui t'entraîne dans la désobéissance lorsque vous êtes ensemble et il n'arrête pas. Tu peux le boycotter. Nah. لكن إذا كان هذا الشخص إذا كان هذا الشخص غير مطاع والكفة الراجحة لذلك المبتدع فهنا لا يدعى إلى الهجر ولا يؤمر به. Nah. Le cheikh dit, mais si celui qui veut faire le hajr là, s'il n'est pas obéi, donc c'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il dit quelque chose, les gens vont suivre ça. Et c'est le mubtadi' qui a quoi? Qui a la force. Les gens sont avec lui. Le cheikh dit ici là, il ne va pas appeler au boycott. Il ne va pas ordonner le boycott. Naam. لكن للمتضرر نفسه أن يحذره للمتضرر نفسه أن يحذره فلا يزوره ولا يستزيره ولا يحضر مجالسه وهذا هو الهجر الوقائي فإذا سئل الوقائي وهذا هو الهجر الوقائي فإذا سئلت قل لا آمن على ديني لا آمنه على لا آمنه على نفسي. نعم. Donc le cheikh dit cependant celui qui subit des nuisances de sa part, donc il craint un mal de lui, une nuisance, il dit il a le droit de prendre garde, qu'il prenne garde, qu'il ne lui rende pas visite. Il ne demande pas son aide. Il n'assiste pas à ses assises. Il dit ça, c'est le boycott de protection. Ok? Le boycott de protection, prévention. Donc, il dit, si on te pose la question, dis, il n'y a aucune sécurité pour moi, pour ma religion avec lui. Donc, c'est pour cela, je m'écarte de lui. Donc, quelqu'un qui a des choubhat, par exemple, oui, ici là tu n'as pas une grande place, les gens n'écoutent pas tes paroles, donc tu ne vas pas appeler au boycott, Jade, mais toi-même tu peux faire quoi? Tu peux boycotter, Jade, du moment où, n'est-ce pas, il te cause du tort, comme quelqu'un qui met aux gens des choubhats.
Et c'est là, ça c'est le hajr qui cause beaucoup de problèmes aux gens de l'innovation. Ils se concentrent plus sur le hajr qui est ta'libi, pour éduquer. Or, si la personne ne va pas changer, il faut laisser. Il ne faut pas boycotter. Non, le hajr ou iqra, il en met ça où? Et quand tu regardes les livres des salaf, quand ils ont parlé du hajr, boycotter les innovateurs, c'était plus ce hajr-là, celui qui est wiqa'i, pour se préserver. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de se préserver des shubhat. Hein, lorsqu'il a dit à Aïcha, « Iza ra'aytumu alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa'ulaika alladhina sammallahu fahzaruhum. » Hadith de Aïcha, si vous voyez ceux qui suivent, ceux qui ont ambigu, ce sont eux qu'Allah a cités là-bas dans le début de la sourate 3. Il dit, prenez garde. Donc, le prophète nous a mis en garde contre les gens qui ont des shubhat. Le prophète a dit concernant Dajjal, hein, Man sami'a bi Dajjal falyana anhu. Celui qui entend parler de Dajjal, qu'il fuit, qu'il s'écarte de lui. Hein, fa inna rajula ya'tihi. Certes, l'homme va venir chez lui, yahsabu annahu mu'min, pour lui, celui qui est croyant. Et qu'est-ce qui se passe? Fayattabi'uhu lima bu'itha bihi min ash-shubuhat. Il va le suivre à cause des shubuhat qu'il aura. Donc ça, c'est des textes qui nous montrent qu'on doit fuir les shubuhat. Le prophète n'a pas dit ça pour rien. On doit fuir les ambiguïtés. Tu ne dois pas te mettre, t'exposer, parce que ta religion est chère. La religion est chère. Ta salafia, la sunna, c'est quelque chose de précieux. Donc, tu ne peux pas aller t'exposer. Tu n'as pas assez de science, par exemple. Tu vas aller te mettre à écouter quelqu'un qui a des shubhat. Il va te mettre plein de shubhat. Et voilà comment tu quittes la salafia. Tu deviens un innovateur, un égaré à cause des shubhat. Donc, il faut préserver, n'est-ce pas, sa religion. وقد قدمت لكم أول الحديث أن أهل السنة يراعون المصلحة ينظرون في المصلحة والمفسدة فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدئ وزجره وتحذير منه هجروه وزجروه وحذروا منه وإذا كانت المفسدة الأرجح والناس يتألبون على أهل السنة فإنه لا يهجرونه بل يكتفون بالرد علمي. نعم. Donc le cheikh dit, je vous ai déjà expliqué au début que les gens de la sunna regardent l'intérêt, la maslaha. Ils regardent l'intérêt et les mots. Si c'est l'intérêt qui domine dans le fait de boycotter l'innovateur, ils vont le boycotter. Ils vont le réprimander. Ils mettent en garde contre lui. Et si c'est le mal qui domine, c'est-à-dire que si on fait le hajr, il y aura un mal qui sera plus grand, ok, les gens vont se retourner, n'est-ce pas, contre les gens de la sunna. À ce moment-là, il dit, ils ne vont pas faire le hajr, ils ne vont pas boycotter, mais ils se contentent de faire une réfutation scientifique. Le da'i, il doit comprendre cette réalité-là. C'est parmi les choses qui permettent, n'est-ce pas, de faire en sorte que sa da'wa réussisse. Il ne doit pas seulement dire non, je veux dire le haq. Non. Il y a des innovateurs qui sont vraiment, vraiment écoutés, qui ont un grand poids. Et toi, tu veux faire passer un message, tu veux faire passer quelque chose de bien pour les gens. Jade, maintenant si tu viens parler, mettre en garde contre l'innovateur là directement,
les gens vont se mettre contre toi parce que ils n'ont pas encore bien compris certaines choses. Ils n'ont pas encore atteint le niveau qui leur permet de comprendre certaines choses. Ou bien ils ne sont pas encore prêts parce qu'ils aiment trop l'innovateur là. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas encore prêts. Donc il leur faut du temps pour comprendre certaines choses. Donc si toi tu viens directement comme ça, tous ils vont s'acharner sur toi. Et ils ne vont même plus écouter ce que tu dis. Et voilà comment tout le grand bien que tu voulais faire, tu vas, n'est-ce pas, en réalité gaspiller cela. Donc à ce moment-là, il faut regarder quel est le mal qui est moindre. Le fait de le laisser, donc laisser cet innovateur-là, te contenter juste de réfuter, sans le citer directement, mettre en garde publiquement contre lui. Quel est le mal qui est moindre? Faire cela, ou bien, n'est-ce pas, que les gens s'acharnent sur toi, sur les gens de la Sunna, et qu'ils, n'est-ce pas, n'écoutent même plus ce que tu racontes. Donc si ici là, comment on appelle, le mal qui va découler est plus grand, si tu fais interdire, alors ici il faut patienter. Ok? Il faut patienter. Oui, c'est un mal, cet innovateur-là, c'est un mal, ce qu'il dit, c'est mauvais, mais le mal est moindre. Donc si c'est moindre, on prend ce qui est akhaf. Et ça, c'est tiré des textes, on avait déjà vu ça. Le prophète Mohammed sallam, qui n'a pas permis qu'on tue des hypocrites. Il avait dit, les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ça comme argument pour ne plus écouter le prophète, ne plus suivre l'islam, empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Donc le prophète a vu que le mal est plus grand que le fait que ces hypocrites-là, on les laisse comme ça. Donc c'est la même chose. Il faut prendre ça en compte et il ne faut pas, le da'i ne doit pas regarder ça comme une tricherie, une tromperie des musulmans, non. Ce n'est pas une tricherie, une tromperie. Ce n'est pas tout ce qu'on dit dans la da'wa. Tu as les capacités de faire le rad. Tu as la science. Les conditions sont réunies. Il n'y aura pas un plus grand mal. Là, nous disons oui, il faut faire le rad. Il faut mettre en garde. Mais si le mal sera plus grand, on dit laisse d'abord. Ah. ولهذا أقول لكم يا أيها المستضعفون من أهل السنة اعتصموا أنتم بالسنة اعتصموا أنتم بالسنة ولا تجادلوا هؤلاء ولا تخاصموهم اضربوا عنهم صحا إذا كان هؤلاء يصلون بكم فصلوا معهم ثم اخرجوا ولا تهيجوا عليكم عوام الناس ولا تهيجوا ولا تهيجوا عليكم عوام الناس عوام الناس ورعاء الناس والذين ورعاء الناس والذين ليس عندهم فقه في الدين. نعم. Donc le cheikh dit ici, je vous dis, vous qui êtes faibles parmi les gens de la sunna, parce que effectivement parmi les gens de la sunna, il y en a qui sont faibles, ils sont dans une posture où ils n'ont pas vraiment de force, ils sont faibles, et il y a d'autres qui ont vraiment une force. Donc tout le monde n'est pas pareil, cela varie des pays. Tu peux trouver un pays où les gens de la sunna ont une force, les salafis ont une force, et dans un autre pays vraiment les salafis sont vraiment faibles. Donc le cheikh dit, alors cramponnez-vous, donc vous qui êtes faibles parmi les gens de la sunna, cramponnez-vous à la sunna. Ne débattez pas avec ces gens-là, donc les gens de l'innovation-là. Ne faites pas des débats avec eux. Et mettez un trait sur eux. Tournez la page.
Il dit ici, s'ils sont donc avec vous, soyez avec eux, puis sortez. Jaïd, ne faites pas en sorte que les Awan, ok, les gens de la masse, ne faites pas en sorte qu'ils vous attaquent en fait. Jaïd, qu'ils s'irritent contre vous. Il dit ici, ceux qui n'ont pas le fiqh dans le din. Non, parce que les gens qui n'ont pas, qui ne comprennent pas, il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Il se peut même que lorsque tu vas venir faire le rad et tout ça, ils n'écoutent même pas tout ce que tu es en train de dire, même si c'est la vérité, ils ne vont plus écouter ça. Tout ce qu'ils vont voir ici, c'est comment tu attaques celui-là, direct. Et ça, même parfois, tu peux voir les étudiants tomber dans ça. Et c'est vraiment déplorable. C'est-à-dire que la personne devient comme aveugle. Elle devient aveugle. Donc, toi-même, si ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, du moment où tu as attaqué, n'est-ce pas, celui-là qui a une shawka et tout ça, ils n'auront plus regardé le contenu ou bien ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas leur problème. Donc, à ce moment-là, ils vont directement t'attaquer. Non. Non, ça veut dire mettez un trait, tournez la page. Ça, c'est la cohue, la foule en fait. La foule des gens. Rapidement la question, hein? Septième question, comme c'est pas vraiment long. السؤال السابع أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول ما قولكم حفظكم الله في من يقول أجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن أجالس سلفيا أخلاقه سيئة. نعم. Donc, septième question, on demande au cher qu'Allah soit bienfaisant envers vous, qu'Allah vous bénisse. Voilà un questionneur qui dit ceci. Quelle est votre parole, qu'Allah vous préserve, au sujet de celui qui dit « Je m'assois avec un soufi qui a des bons comportements, c'est mieux que de m'asseoir avec un salafi qui a des mauvais comportements. » Donc, on demande au cher quelle est qu'est-ce qu'il dit de cette parole? Non. الجواب أولا لا أظن أبدا أن سلفيا أن سلفيا تشربت أن سلفيا تشربت عرقه بالسنة عروقه تشربت عروقه بالسنة وخالتت بشاشتها قلبه يقول هذا. نعم. Le cheikh dit premièrement, je ne pense pas qu'un salafi dont les veines sont imprégnées de la sunna et où les effets lumineux ou dont l'effet lumineux s'en est mélangé ou bien s'est mélangé à son cœur, je ne pense pas qu'il peut dire une telle parole. Non. Fassalafi يبتعد من المبتدعة الصوفية وغيرهم وينحاز إلى أهل السنة. نعم. الشيخ dit le salafi, il s'écarte, dit le salafi s'écarte de des innovateurs, le soufi et autres que, et il rejoint, n'est-ce pas, il se range du côté des gens de la sunna. نعم. ولكن ننظر في موجب القول والقائل. فإذا كان القائل من أهل التحزب والحركيين فليس هذا بغريب عليهم لأنهم ينطلقون شاء أم أبوا ما من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعتذر بعضنا بعضا في بعض
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. Le cheikh dit cependant, regardons, n'est-ce pas, la raison de la déclaration de celui qui l'a dite. Donc, quelle est la raison? Il dit ici, celui qui a dit cette parole-là, il fait partie des gens, des sectes. C'est un sectaire. Ou bien, il est parmi, n'est-ce pas, les harakiyin. Le cheikh dit, ce n'est pas étrange de sa part. Donc, il dit ça. Il dit, car ils vont sur une base, donc, ils vont, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont sur une base qui est quoi? Qui est la règle, nous entrons dans ce sur quoi nous sommes, d'accord? Et nous nous excusons dans ce sur quoi nous divergeons. Donc la règle des Juan. Naam. وإن كان صاحب سنة لكنه حز في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها وإن كان صاحب سنة لكنه حز في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخوانه عليه وإن كان التقدير وإن كان القائل وإن كان صاحب سنة لكنه حز في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخوانه عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر وشدة العتاب فهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته لا سيما إن كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس. نعم. الشيخ دي. Maintenant, si celui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui est sur la sunna à la base, donc il dit une telle parole, mais il dit quelque chose ne va pas chez lui, il est bouleversé, Jade, à cause de la dureté qu'il voit de ses frères, à cause de la dureté qu'il voit de ses frères sur lui, Jade, donc. Cette dureté-là, dont il voit qu'il a dépassé la limite. Donc, le cheikh dit, celui-là, je pense qu'il a dit ça pour blâmer. Je pense qu'il a dit ça pour blâmer, réprimander, pour blâmer sévèrement ses frères. Jade, le cheikh dit, il est donc obligatoire, n'est-ce pas, à ses frères de se comporter avec lui avec douceur et d'être bien en bonne compagnie avec lui, surtout si il jouit d'une grande place, d'une position importante auprès des gens. Ici là, il y a des gens comme ça, parfois ils sont frustrés. C'est quelqu'un à la base, il est sur la sunna. Maintenant, il a vu le comportement de certains salafis. Et ça, on a toujours dit ça aux gens. On ne doit pas attribuer le comportement de certains salafis à la salafia. La salafia, c'est un manhaj. Kitab wa sunna bifahmi salafil umma. Le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça, la salafia. Maintenant, on peut trouver des salafis qui exagèrent. On peut trouver des salafis qui se trompent. Donc on ne doit pas prendre ça pour attribuer ça aux salafis. Jade. De la même manière que les, parce que souvent ce sont les sectaires qui font ça. Si un salafi s'est trompé, ils vont mélanger ça, ils vont accuser tous les salafis.
Vous avez vu, la salafia n'est pas, c'est pas quelque chose de bien à cause de ceci, de cela. Mais ces mêmes innovateurs-là, quand les mécréants agissent de la même manière au sujet du comportement de certains, au sujet des comportements de certains musulmans, ils disent non, ça c'est le comportement de certains musulmans, il ne faut pas attribuer ça à l'islam. Il ne faut pas mélanger les choses. L'islam est clair, mais, n'est-ce pas, les gens ne sont pas, les musulmans ne sont pas parfaits. Bon, pourquoi ça, vous n'appliquez pas ça en ce qui concerne la salafie? C'est la même chose. Donc, le salafi peut se tromper. Un salafi peut exagérer sur une question, sur un point. Ne prends pas ça pour attribuer ça au salafi. Ou ne fais pas de cela une cause pour détester la salafia ou délaisser la salafia. Parce que la salafia n'est pas représentée par lui, par ce salafi-là. Jade. Ce n'est pas lui qui représente la salafia. Et même si on disait que c'est lui qui représente la salafia, ce n'est pas quoi? C'est pas un argument. L'argument, c'est dans les textes. Le kitab au sunna, la compréhension des salafs. Ah, donc le cheikh dit ici, si on suppose, donc si celui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui est sur la sunna, mais à cause de la dureté de certains frères, de certains salafis, il a eu à dire cette parole-là, que non, il est mieux pour lui de s'asseoir avec un soufi qui a des bons comportements, de s'asseoir avec un salafi qui a des mauvais comportements. Le cheikh dit, celui-là doit lui parler. Jay, avec douceur et tout ça, surtout s'il a une grande place. On doit le ramener à la raison. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce que toi tu vois que des salafis, ou bien un salafi a un mauvais comportement, et que un soufi, selon toi, il a un bon comportement, que tu vas maintenant rester avec lui. J'ai dit, tu peux faire le hajj. Au salafi, si, il y a ce qui implique le hajj. Mais ce n'est pas de dire que non, je préfère rester avec le soufi. وقد أرد على سني ويرد علي وأشتد عليه فيما بيني وبينه ويشتد علي لكن لا على سبيل التشهير لا أشهر به ولا أجعله عرضة لحديثي في المجالس عرضة لحديثي في المجالس الخاصة والعامة في مجالس الخاصة والعامة فلو سئلت عن قول فلان في كذا أقول أخطأ الصواب خلاف ذلك وفلان أعرف عنه أنه صاحب السنة لكنه ما وفق في هذا نعم الشيخ ليزي la bonne compagnie. La bonne compagnie, le fait de rester bien avec les gens, il dit c'est obligatoire entre les gens de la sunna. Jade, la patience, n'est-ce pas? L'élargissement de la poitrine, la douceur, il dit ça c'est demandé. Donc entre les gens de la sunna. C'est pour cela, moi je donne souvent ce conseil aux frères. Le salafi n'est pas infaillible, il peut se tromper. Mais si un salafi se trompe, on ne va pas se comporter avec lui comme on se comporte avec les gens de l'innovation, ceux-là qui combattent la sunna, la salafia. Avec le salafi, on doit, n'est-ce pas, on doit être doux. C'est la base. Et puis, on doit tout faire pour ne pas exposer notre frère. Parce que lorsque, si les salafis commencent à se diviser, l'autre là-bas réfute un tel, l'autre réfute un tel, ça ne donne pas une bonne image et les innovateurs vont prendre ça comme argument. C'est pourquoi moi avec les salafis, je suis quelqu'un, je patiente beaucoup avec les salafis.
Il y a des gens dans leur da'wah, ils sont concentrés pour attaquer les salafis. Toi-même, tu te poses même des questions en fait. Il est sur les salafis, les salafis, les salafis, les salafis. Les gens de l'innovation sont en repos, n'ont aucun problème. Ils ont non. C'est vrai, le cas de celui-là qui se fait passer pour un salafi, mais en réalité qui n'est pas un salafi, on dit il est dangereux, on doit s'occuper de son cas, car il se fait passer pour un salafi. Mais quelqu'un qui est salafi à la base, mais il a fait un faux pas, il est tombé, il s'est trompé, on doit le ramener avec quoi? Avec douceur. On utilise les moyens possibles pour qu'il revienne au haqq. Donc, ce n'est pas d'exposer ses frères salafi djihad. Or, on voit des gens, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. On a, toutes leurs flèches sont toujours dirigées vers les salafis. Les salafis, les salafis, attaquer les salafis. Et c'est lui qui te dit qu'il est salafi. Mais on voit qu'il attaque les salafis, il attaque les salafis. Et quand il s'agit des gens de l'innovation, il les défend même. Oh non, vous abusez, laissez-les, kaza, kaza. Bon, ça, on se pose des questions. Ton travail, c'est attaquer les salafis et les gens de l'innovation, tu les défends, tu dis non, on est trop dur, etc., etc. Mais quand ce sont les salafis, tu ne te gênes pas à être dur envers eux. Non, donc, le cher ici, le cher dit, il se peut que je réfute. Il se peut que je réfute donc un sunni et qu'il me réfute aussi. Donc, on peut réfuter un salafi, un sunni. Ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Haram. Il dit, je peux être dur envers lui, entre nous. Donc, en privé, entre lui et moi. Je suis dur envers lui, dans les propos et tout ça, dans le rad. Le cheikh dit, ce n'est pas en guise de calomnie. Ce n'est pas aussi pour l'exposer. Je ne l'expose pas. Et je ne fais pas de lui une cible de mes discours dans les assises publiques. Dans les assises privées et publiques. Okay. Donc le cheikh dit, si on me pose la question sur sa parole, il a eu à dire une parole qui n'est pas juste. Il dit, je dis, il s'est trompé. Ce qui est juste, c'est ça, c'est ceci. Mais je sais que c'est quelqu'un de la sunna. Mais sur ce point-là, Allah ne l'a pas assisté. Ok? Donc le cheikh nous fait comprendre ici qu'il peut ne pas être d'accord avec un sunni, un salafi, sur un point. Mais il ne va pas faire quoi? Il ne va pas l'exposer. Il peut être dur envers lui en privé, en discussion avec lui. Mais si on vient lui poser la question publiquement sur sa parole, il va dire il s'est trompé ici. Mais c'est quelqu'un de la sunna. Mais ici, là, il n'a pas été assisté. Non. Si on fait le rat sur un salafi, le chasse, c'est qu'on ne doit pas faire tachir. Et on ne doit pas mettre dans les hadiths à Ahmad. Il n'a pas compris. Et si, on fait le, si un salafi fait le rat à un salafi, non. Il ne doit pas chahara ça. Il doit pas non, ça. Il ne doit pas exposer ça. Il doit essayer d'arranger ça en interne. Ok? Ça veut dire quoi? Il y a des choses, si toi tu viens exposer ça, tu peux causer du tort à la salafia. Même si toi, tu ne t'en rends pas compte. Jade, parce que les gens vont voir que vous êtes en train de vous diviser. Vous êtes en train de... Voilà, vous vous réfutez entre vous. Voilà les salafis, regardez. Les gens vont prendre ça comme argument. Même si ce n'est pas un argument en réalité. Mais beaucoup de gens prennent ça comme argument. Même si c'est vrai, on dit toujours que réfuter, n'est-ce pas, conseiller en privé n'est pas une obligation. Ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Ou bien c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui n'est pas bien, non. Au contraire, c'est quelque chose qui est bien, le conseiller en privé. Donc, si un salafi se trompe, afdol, ce qui est afdol, ahsan, qu'il comprenne en privé. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça.
Quand c'est en privé, ils ne reviennent pas. C'est quand c'est en public qu'ils reviennent. Parce que en public, ils se rendent compte que vraiment les gens seront contre eux. Parce que si on va sur le principe, les gens ne peuvent pas voir, les salafis ne peuvent pas du tout être infaillibles. Forcément, ils doivent tomber dans des erreurs. Si on part du principe que tout salafi qui se trompe, il faut l'exposer, tout ça là, ça va faire quoi? Ça va porter un mal à la da'wah. On a vu ce qui s'est passé avec la fitna, n'est-ce pas, récente. Comment les innovateurs ont pris ça pour dire, regardez les salafis, ils se divisent, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la vérité. Donc, il y a des gens même qui ont délaissé la salafia, il y a d'autres qui prennent ça pour empêcher les gens d'entrer dans la salafia. Donc on doit regarder ça, ils doivent regarder ça. Ils ne doivent pas seulement dire non, on fait l'oral. Il a commis l'erreur, donc on va ajouter. Il y a des frères, si tu leur parles en privé, ils vont changer, ils vont corriger l'erreur. Donc pourquoi vouloir l'exposer? Forcément. Et à l'autre, c'est vrai qu'ils sont orgueilleux. Tu sais déjà que celui-là, même si on lui parle, il ne va pas comprendre. Bon, des cas comme ça, on peut le réfuter. Non. فتفطنوا بارك الله فيكم إلى الحال والمقال وما يوجب المقال فإن كما يقولون لكل مقام مقال. نعم. Donc le cheikh dit, il faut réfléchir par rapport à cela. Prenez conscience de cela. Qu'Allah vous bénisse. Jaïd, il faut regarder la situation et les propos. Jaïd, et puis les raisons des propos. Qu'est-ce qui a poussé la personne à dire ça? Il dit, comme on dit, à chaque assise correspond un discours, à chaque assise correspond un discours bien déterminé, bien précis. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on expose aux gens, qu'on dit aux gens. Jade. Non. Donc on va s'arrêter là.